de me retrouver comme ça avec vous autres juste avant la fin de l'année. Dominique? Oui, quoi, Patrick? Mais oui, Dominique, qu'est-ce que tu fais ici, donc? Comment qu'est-ce que je fais ici, là? Mais là, t'avais pas dit, Dominique, toi, que des bye-bye, là, t'en ferais plus jamais, 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 jamais? J'ai déjà dit ça, moi. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, Pauline, il n'y a pas juste Guy Lafleur qui a le droit de changer d'idée. Ben, t'as raison là-dessus. Je sais pas, moi, un petit peu d'expérience, je peux pas faire de tort, hein? Ben, surtout qu'on a un petit nouveau cette année. Ben oui, on a le beau bain. De toute façon, heureusement, ça va faire baisser la moyenne d'âge, hein, les filles? Mais pour compenser pour mon manque d'expérience, comme vous dites, là, j'ai décidé d'inviter une artiste qui en a beaucoup. Ah oui, qui ça? Michel Richard. Oh non! Pas Michel Richard! Ben certain, tiens. Enfin! Moi, je n'ai pas passé l'été au lit. Oh non! Mon beau Serge et mes beaux bronzés. Cet été, on s'est tapé un super kitten party. Merci, merci, merci. Bonsoir, vous autres. Vous aviez-tu peur que l'année finisse sans moi? Je voulais à tout prix vous donner une chance de me voir une dernière fois en 1988. Êtes-vous content? Bonsoir, Michel. Ah, bonsoir, Patrick. Oh, Pauline, que t'es belle. Oh, ça me rend malade, ce tissu-là. Oh, que c'est beau ici. Regardons ça. Oh, le beau toaster! Bon, ben là, Michel, ça nous a fait plaisir de te voir. Avez-vous vu mon beau Serge? Serge? Serge Laprade, voyons. Oh, mon beau Serge, il est là! Viens me rejoindre, Serge, viens me rejoindre. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, ma belle Michel. Je te le dis sincèrement. Je te le dis amicalement. Et du plus profond de mon cœur, quand je te vois, c'est le bonheur. Oh, c'est cute, Serge. Je pense que je vais te réengager. Oh, merci, ma belle Michelle. Oh, mon beau Serge. Ça t'a pas fait trop de peine de perdre tes élections? Oh, non, ma belle Michelle, parce que quand je suis à tes côtés, je n'ai pas de rancune. Car même si je suis pas député, je me sens près des communes. Oh, c'est beau! Déjà, je vous dis déjà bonsoir, mais je reviendrai bientôt. La politique, c'est à l'eau, et l'été prochain, vous direz, si vous saviez comment vous êtes. Déjà, revoilà Michel Richard. Dans ces belles robes du soir, pour que mon chou puisse poigner, je suis toujours prête à me mouiller. Déjà, je vous dis, vous n'avez rien vu, même si vous l'avez pas su. Foglia, c'est un trou de cul, et tout comme moi, vous direz déjà. Bon, une règle, là, je sais, 4 paquets de face, c'est ici, et une douzaine de crayons feuilles. Maman, où est-ce qu'il est le papier ligné? Mais il est là, chèque, hein? Bien, il est là, il est ligné. Bon, ben, avec ça, mon grand, tu es équipé pour la rentrée scolaire, hein? Bon, est-ce que c'est tout? Oh, ben, oh mon Dieu. J'allais oublier la chose la plus importante. Quoi donc? Figurez-vous que mon grand, il a commencé sa puberté. Non! Ça y est! C'est fin! Oh, son père puis moi, là, on est assez fiers de lui. Mais oh. Je comprends donc. Ouais. Mais je vous vois venir, là, vous, là. Ouais. Ça va y prendre du condom en masse, là, lui, là. Je sais pas. Vous êtes à la bonne place, on a tout ce qu'il faut. Est-ce que t'as des préférences? Oh, j'y pense. On a un petit modèle là, qui est très en demande et qui est très résistant. Ah oui, lequel? Le modèle Lancé-Comte. Oui? Avec l'autographe de Calmarotte dessus. J'en veux. Mais là, j'imagine qu'avec ça sur le dos, il... Mais là, si je peux m'exprimer ici.
Il va pouvoir se carrer en toute tranquillité, là. Ben, certain! Je suis tellement fier de porter ça! Oh, gardez-les, gardez-les. Tout de suite, la tête commence à y enfler, hein? Croyez-moi, ça s'arrêtera pas juste à la tête! Quelle grandeur tu prends là-dedans? Ben là, maman, elle sait pas. Là. On a trois grandeurs dans ce petit modèle-là. Lancé compte 1, lancé compte 2 et lancé compte 3. Ben, s'il est comme son père, ça va y prendre du lancé compte 3. Raté. Elle se plaît pas. D'autant plus que lui, il a peut-être pas fini de grandir, hein? Régine, dans le condom, là, est-ce qu'il nous reste du lancé compte 3? Tout vendu, on est back order là-dessus. Tout vendu, on est back order là-dessus. Oh, que c'est de valeur! Oh, ben, j'aime beaucoup la course automobile aussi, hein. Est-ce que vous avez du Formule 1? Ah oui, on en a, mais c'est un modèle qui vend pas du tout. Ah non? C'est-à-dire, comme on dit, il lève pas. Moi, j'en ai eu pour mon argent. J'ai travaillé pour mon argent. C'est là. Ils en ont eu pour leur argent. Les émissions au conservateur. Les gros pots de vin, c'est là. C'est là. Et les ristournes aussi, c'est là. D'accord. Ils en ont eu pour leur argent. Distribution au conservateur. Ah oui, on est tous d'accord. Oui, je suis d'accord. Pas d'accord. Distribution au conservateur. C'est là. C'est écœurant. Suzanne, femme dans ta gueule. Ouais, ben après ce qui s'est passé à Séoul cet été, là, les Jeux Olympiques, ça sera plus jamais ce que ça a été. Ouais, moi, je suis certain que Jean Pagé et Pierre Dufault s'attendent à de gros changements pour les prochains Jeux de 92 à Barcelone. Ah oui? Ah oui, tiens. Parmi les épreuves qu'on a ajoutées aux Olympiques de 92, la plus attendue est celle qu'on va maintenant vous présenter, l'épreuve de l'urine. Eh bien, l'épreuve Jean consiste pour les athlètes à prendre des stéroïdes anabolisants de façon intensive pendant 4 ans. Ensuite, ils arrivent ici à l'épreuve finale et doivent passer l'épreuve sans qu'on détecte la moindre trace de stéroïdes dans leur urine. C'est tout un exploit qu'on leur demande et nul doute que le vainqueur se mérite une médaille d'or. Eh bien, transportons-nous immédiatement au pissodrome. Les athlètes vont venir prendre position ici, chacun dans son corridor d'urine. Et les Français appellent ça aussi l'épreuve de pisse et pelouse. Sur chaque urinoir, il y a un cadran. Et l'aiguille oscillera chaque fois que les appareils détecteront des stéroïdes. Si l'aiguille va dans le jaune foncé, eh bien l'athlète est disqualifié. Les athlètes s'approchent. Ils vont faire leurs exercices de réchauffement. Dans le 4, le Canadien Jack Smith d'Ontario, le plus grand pisseur de notre pays. Qui a établi, Jean, un record mondial aux 10 mètres. Dans le 3, le Chinois Wang, un urineur redoutable. Dans le 2, l'Allemand de l'Ouest, Franz Schulz, qui s'entraîne à la bière de Munich. Et dans le 1, le Russe Dimitri Klimov, dont on ne soupçonne pas du tout en le voyant qu'il s'entraîne aux stéroïdes. C'est un as de la dissimulation. Et oui, nettement le favori. On voit que les athlètes préparent en particulier leur rein. Mais aussi, ce qui est très important, Jean, c'est l'exercice de l'étirement de la vessie. À vos places. Prêt? L'officiel s'approche pour donner le départ officiel avec un fusil à l'eau. Ça y est, c'est parti! Remarquez, Pierre, avec quelle assurance s'exécute le Canadien. On sent qu'il a la chose bien en main. Oh, et la technique du Chinois. Aucune émotion sur son visage. On ne dirait jamais qu'il est en train de faire la pisse de sa vie. Et le Russe, oui, son aiguille n'a pas encore essayé. Quelle performance! Oh, oh, l'Allemand éprouve des difficultés. Il s'est arrêté. Il est bloqué, sans doute encore une pierre au rein. Oh, 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 l'aiguille du Russe a bougé. Le Chinois est dans le jaune, Jean. Il n'y a que le Canadien qui a une fiche parfaite ici. Encore quelques secondes et c'est le Canadien qui va l'emporter. Et ça y est! La médaille d'or en épreuve d'urine va au Canada. C'est formidable. Quelle fierté pour notre pays. Pierre? Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Jean? On m'informe à l'instant que le comité olympique a disqualifié le Canadien. Il perd sa médaille en épreuve d'urine. Mais, et pourquoi? Son aiguille n'a pas bougé. On a décelé chez lui aucun stéroïde. Il a gagné. Il avait désobéi au règlement. Comment ça? Il n'avait pas pris de stéroïdes du tout. Ah, le maudit tricheur. Ici Pierre Nadeau, bonsoir. Bienvenue à Séjour. Pour donner à mon émission le retentissement qu'elle n'a pas encore eu,
J'ai décidé de modifier quelque peu ma présentation. Ce soir, on va avoir un show écœurant. Ça va swinguer, ça va être effrayant. Et si je suis venu à Télémétropole, c'est parce qu'ils m'ont tellement supplié. Ils m'ont pas lâché, puis ils sont mis à genoux. Au point que ça les a quasiment mis dans le trou. Enfin, je me suis dit, je vais essayer, puis si ça marche pas, ben je retournerai à Radio-Canada! Un petit peu de musique marchande. Bonsoir. Arrête de répéter la même affaire, ça me tombe chez une aile, tabarnance. Oh, toi, femme, ta gueule. Arrête de dire tabarnance, ça c'est mon oncle qui dit ça. J'ai le droit de dire ce que je veux, OK? Tabarnance. Gambitch, t'es comme les autres, une maudite hypocrite, vous êtes toutes contre moi. Pourquoi tu dis ça? Je le sais que toi, tout est pour la libre-échange, Gambitch. Mais voyons donc, tabarnance, je connais rien là-dedans, moi. Et maudite chienne de vie. Que ça va mal, que je suis dans un gun mec. Je pense que je vais me suicider. Tiens, fais donc ça. D'abord, je serai bien débarrassé, puis ensuite, avec la publicité, on va peut-être finir par battre les dames de cœur. Salut, Sty. Toi, je le sais, mon gun bitch. Quoi, Sty? Que t'es pour la libre-échange, mon chien sale de gun bitch. Calme-toi, Sty, d'arriéré mental, Sty. Ah ouais? Dis-le avec ton chapeau de cowboy, gun bitch. Tu te prends pour un Américain? Prends chez toi, Méville. J'ai jamais vu une famille de fucked men. Hey, lui, il est fucké, pas moi, gun bitch. On est tous des fuckés. Pis c'est mieux de même, Sty, toasté des deux bords. Ah ben, veux-tu bien m'expliquer pourquoi? Parce que plus on est fucké, plus le monde regarde notre show, Sty. Miville! Tiens-la la patte chienne! Miville, arrête ça, puis laisse-moi parler. J'ai toute une nouvelle à t'apprendre. Mais on me dit que t'es pour le libre-échange, toi et tout, ma maudite vache! Va-t'en ta grande trappe à marde, puis écoute-moi donc! Toi, change de ton, gun bitch! Hey, touche pas notre sœur au cul. Et pour le libre-échange, j'ai le droit de passer dessus. Maudit insignifiant. Tu t'es jamais demandé pourquoi les Galarneaux, on était pour le libre-échange? C'est parce que nous autres, on aime ça, les échanges. Les échanges entre nous autres, c'est-tu. Mais tu seras génial que moi, je suis pas de même. Ma sœur, je suis pas en amour avec. Elle m'excite pas. Mettons que ta sœur, elle t'excite pas. Qu'est-ce que tu dirais de ton frère? Oh, toi de là, mon chien sale de gamin. Moi, je suis normal. J'aime ma femme. Miville, arrête-toi, je t'en supplie. Qu'est-ce qu'il y a, Myriam? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu nous caches quelque chose. Miville, j'ai trouvé ça dans les papiers de notre père. C'est au sujet de Nathalie. Un bec, gun, bitch. Et quoi, Michel? Nathalie. De quoi parle? T'es ma soeur. Oh, non. T'es ma soeur. T'es ma soeur. J'ai compris. Arrête de chuchoter là-dessus. Oh, ben, félicitations, mon Méville. Là, t'es un vrai frère. Oui, Sty. Excusez-moi de me déranger, là, mais les Galarneaux, c'est bien ici? Moi? Ma sœur, que je vous ai déjà vu quelque part. Ça se peut. Mon nom, c'est Jean-Paul Belot. Ah, moi, c'est Myriam. Hmm? Jean-Paul, il y a quelque chose qui m'attire en toi. Ben voyons, mon Michou, c'est normal. Que c'est que tu veux, toi, là, Sty? Ben non, figurez-vous que je viens de réaliser que mon père, c'était pas mon vrai père.
Mais selon mon enquête, là, mon père biologique, ce serait un certain Xavier Galarneau. Oh, là, je comprends pourquoi t'es à mon cou. T'es mon frère. Ah ouais? De moi, tu veux avec mon bichot. Hey, t'es pas d'un dame de cœur, c'est... Les Juifs hassidim ont vraiment fait un effort pour s'intégrer à la vie québécoise. Les Juifs hassidim d'Outremont. Mais certain. Vous devriez voir la soirée qu'ils préparent pour le jour de l'an. Non. Samedi soir à Outremont, il n'y avait pas grand-chose à faire. On s'est dit, on va montrer qu'on est des beaux Québécois. On a payé un rigodon, c'est le remède, mon beau frère. C'est peut-être pas cochon, mais tant pis pour les sabbats. Laisse dire, madame, flip, fais-moi s'emballer à Flevy, à mission matin, me filer d'un chic à pas pour rire, avec ce chapeau pour rire, sa barrique, mec, il dînait quand il était les petits la semaine chez son oncle, Jérusalem. Il y a aussi Abraham, le cousin de Jérémy, qui est fier de son petit, qui n'a pas poussé un seul cri, vendredi après-midi, quand il a été circoncis. Avec des plats québécois. Un peu de sirop d'érable sur des bagels au craton. Du sirop fumé des biennes, du smoke bientôt à ta cure. Oh, t'es que fait le swing là, c'est des biens. Toujours pour un pays swing à Outremont. On swing fort, on swing encore. Puis on leur montre qu'on est pas mort. Et Domino, le rabais a chaud. Tu sais, Pauline, là, une histoire d'amour qui m'a vraiment touchée cette année, c'est celle entre le beau Wayne Gretzky et son actrice américaine. Ah oui? Moi, c'est drôle. Moi, c'est l'histoire d'amour entre Robert Bourassa et Brian Mulroney. Oh. Ah ben, salut, Robert. Brian... Attention, c'est il fallait qu'on nous voie. C'est donc, pourquoi tu m'as donné rendez-vous vite comme ça? Écoute, Brian. Ben oui, mais pas. Ça peut plus continuer comme ça. Va falloir qu'on se quitte. Tu m'aimes plus. Ben non, c'est pas ça. Ma députation est en train de s'apercevoir de quelque chose. Elle trouve que je suis plus comme avant. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, sans toi? On a été bien, on a été heureux, on a fait une belle campagne ensemble. Ce serait peut-être mieux qu'on se quitte avant que ça se gâte entre nous. Robert! Je peux plus continuer à t'appuyer comme avant. Mais je te demande pas de m'appuyer. Je te demande juste de rester neutre. Ça peut plus continuer comme ça. Tu me triches, c'est ça, hein? Mais non, voyons! Dis-moi pas que t'as reviré une pédé. Mais non! Alors, c'est quoi? J'ai le goût de vivre une vie normale. Les bleus avec les bleus, les rouges avec les rouges. Oublie ça. C'est fini, Brian. Ne me quitte pas. Il faut continuer. Prononcer des speeches pour sauver Lac-Meech et faire oublier les querelles passées, le temps de la vogue, des maudits hot dogs et le temps perdu, des malentendus et des prises de bec avec le Québec et des beaux cadeaux juste pour l'Ontario. Ne me quitte pas. Je t'ai promis, le centre spatial, c'est à Montréal qu'il sera construit. J'aurais tant voulu choisir tes ministres. Tu me donneras ta liste le moment venu. Tu ne montreras pas la clause nonobstant. Si tu y tiens tant, je n'y toucherai pas. Alors dans ce cas-là, je ne te quitterai pas. Tu ne me quitteras pas. On se quittera pas. Voici le quiz. Charlie Marie
avec votre animateur, Guy Mongrain. Bonsoir à la maison. Docteur. Alors, comme vous le savez, pour humaniser un petit peu les services hospitaliers, ce soir, Charivari vous est diffusé en direct de l'hôpital du Sacré-Cœur. Bonsoir, docteur Léger. Bonsoir. Alors, votre diagnostic est prêt? Oui, sauf qu'au lieu d'annoncer bêtement à ma patiente le mal dont elle souffre, eh bien, c'est ma patiente qui aura le plaisir de le deviner elle-même. C'est plus humain. Et c'est plus amusant. Alors, comme première concurrente, nous avons Madame Laplante. Bonsoir, Madame Laplante. Bonsoir. Alors, vous nous venez de quel endroit, Madame Laplante? Les soins intensifs. Ah, c'est bien, c'est un bel effort. Et auparavant, vous étiez où? Alors, pour vous donner des indices, vous avez donc à côté de vous votre médecin, le docteur Léger. Où ça? Ici, ici. Ah, bonjour, docteur. Bonjour. Ça fait tellement longtemps que je vous ai vu, vous n'avez pas reconnu. Alors, voici, on commence le jeu. Catégorie, tumeur maligne. C'est parti, madame Laplante. Je vous disais, donc. Eh oui, m'envoyez, forcez-vous. Mais je me force aussi, je me force, je vous disais. C'est parti, madame Laplante. Oui, à vous être parti, Lucie, si ça continue. Madame Laplante! Ah oui, quoi, c'est quoi ça? Un indice, docteur Tremblay? Oui, terminal. D'autobus. Aéroport. Mal de l'œil. Hélas, non. Un autre indice, docteur. Chimiothérapie. Chimiothérapie, je sais plus. 5 secondes. 5 secondes. Il reste 5 secondes. Ça c'est pas par hasard. Cancer généralisé. Oui, c'est ça, madame Leblanc. Oh, cancer généralisé. Vous l'avez. Dominique, oui, je me suis acheté le dernier album de Joanne Blouin. Pas encore un hommage à Félix Leclerc? Non, à l'homme de sa vie, Norman Brathwaite. Non. Okay. C'était un petit noir que j'avais ramassé. Il était dans un bar sur le bord de râpé. Quand il m'a vu entrer, il s'est mis à me crouser. Joanne, ramasse-moi chez vous, amène-moi. Monsieur, bonsoir. Ici Robert Guisculli qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Impact. À Impact, ce soir, nous recevons Mère Teresa. Mère Teresa, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Scully. Mère Teresa, la première question qui me vient à l'esprit, c'est la suivante. Pour épouser, comme vous le faites, avec une passion et une intensité aussi remarquables, la cause des déshérités du tiers-monde, au point de leur avoir consacré toute votre vie et toutes vos énergies, vous avez dû ressentir à un certain moment de votre existence, et probablement au cours de votre enfance, car les psychologues ont constamment rappelé l'importance de l'enfance dans le développement de la personne. Et je recevais justement la semaine dernière, à mon émission, vous en rappelez sans doute, la psychologue allemande Eva Jung. Et au cours de l'entrevue, tout à fait remarquable, que j'ai eu l'occasion de réaliser avec elle, et remarquable, le mot est faible,
elle avouait l'importance de l'enfance dans le développement de la personnalité. Donc, dans votre cas, vous avez dû subir, au cours de votre enfance, une influence tellement forte qu'elle vous a communiqué ce désir très profond, très solide, de vous consacrer à la défense des intérêts du tiers-monde. Pourquoi? Mère Teresa? Mère Teresa? Oui, Monsieur Scully? Malheureusement, c'est tout le temps que nous avions à notre disposition. Mère Teresa, merci de nous avoir parlé avec tant de chaleur. De rien, Monsieur Scully. Excellent fin de week-end sur Radio-Canada. Pardon, Monsieur Scully? En tout cas, si on veut éviter le racisme, là, va falloir qu'il y ait beaucoup plus de policiers qui viennent des minorités visibles. J'ai hâte de voir ça. Lâchez-moi, police! Lâchez-moi! Rien fait de qui? Wow, arrête-moi ça, hein? On t'a poigné en flagrant délit, ça fait que ça va faire les petites protestations, hein? Constable Nguyen, vous allez prendre sa déposition. Ah, ta belle, ouais! Un moyen de plan, un blic, en paix. Vous voyez pas que je suis en train de manger mes loulous, un pélion? Bon, c'est correct. Tiens, c'est Jean Rachid, venez ici. Ramenez le chachet à détenu à la chaleur. Oui, ben vous y voyez plus tard. Figurez-vous que j'étais en train de patrouiller à 3 rues d'ici quand j'ai vu ce gars-là en train de sortir d'une maison par la fenêtre. Par la fenêtre? Par la fenêtre? Ben oui, j'avais juste envie de faire un peu d'exercice. Ouais, alors, je l'ai arrêté. Tu me dis qu'il allait exister à l'arrestation? C'est ça, Rafiadé? Ralamana! Je n'ai pas compris. Oui, il a résisté et il s'est sauvé dans une auto. Mais je l'ai rattrapé et c'était une auto volée. Et je cache que ce bélier-là, il est arrivé avec l'excuse qu'il s'était trompé de boîte. Ben oui, justement. Pour ça que j'avais tant de misère avec ma clé. Ouais, mais sauf que je l'ai fouillé, hein, et j'ai trouvé celui d'un montre, d'un bracelet. Ouh! Ça le garde de mal en sac la main. En tout cas, il n'y avait pas le droit de m'arrêter. Et vous arrêtez parce que les plans sont accablants. Non, c'est pas pour ça. Hé, hey, what? Je sais pourquoi il m'a arrêté. Ah oui? Pourquoi? À cause de ma couleur. Attention de ne pas tiler sur la gossip. Hey, des télétons, il y en a bien tôt. Ben oui. Si ça continue, là, ils vont en faire des chauffes, les gros yeux. Hey, riez pas, Michel Louvain va en animer un pour le nouveau Parti démocratique. La démocratie, moi, j'ai décidé de m'en occuper dès aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai accepté d'animer ce téléthon du NPD. Après tout, si Serge Laprade peut s'intéresser à la politique, ça veut dire que vraiment n'importe qui peut s'y intéresser. Et maintenant, voici le temps de redonner de la vie à ce parti. Ed Broadbent. Chers Québécois, de toutes les provinces de la Canada. Comme vous l'avouez, grâce à mon acharnation et à mon obstinement, chaque jour, ça va de mieux en mieux pour la maîtrisation par moi de votre belle langage française. Mais c'est terriblement souffrant, et pour moi, et pour vous. C'est une lutte de tous les instants. Mais je suis convaincu qu'un jour, grâce à votre aide, je vais faire la victoire contre cette terrible handicap. Et c'est là pourquoi j'ai un grand besoin de votre support. Alors donnez, généreux, dégénéré. Donnez, puis vite, ça presse. Oh,
Bonjour, Nicole. Oh, allô, Gertrude, ça va? Oui, il faut absolument que je te parle de quelque chose. Oui, qu'est-ce que c'est? Je voudrais pas poquer mes ongles, j'ai juste des fesses. Fais attention. Écoute, Nicole, il faut absolument que tu t'abonnes au même centre aérobique que moi. Mais tu bonnes, j'ai pas le temps. Faut que je m'occupe de la maison. Oh, hey, ça, c'est une défaite que tu donnes, ma petite fille. Ça tiendrait tellement en forme. Ben, j'ai pas le temps, oublie ça. Hey. Dis donc pas ça, là. Dans la vie, là, faut bouger, faut faire de l'exercice. Sinon, on s'encrasse et on s'enquilose. Mais j'ai pas d'argent à mettre là-dedans, oublie ça, j'ai pas. Ah, si tu te prenais un job à l'extérieur, là, au lieu de niaiser dans la maison, là, tu pourrais te payer ça. Mais oublie ça, qui c'est qui va s'occuper de la maison si je fais pas ça? Excuse-moi. Oh, la maison. Écoute, c'est tellement bon, là, ils nous font faire des exercices d'assouplissement pour le haut du corps, puis on lève les bras, puis on penche, puis on va jusqu'à... Oui, et puis on voit 4 fois de même. C'est bon. Comme ça. Ça très bon. Bien, c'est très bien. Oh oui, c'est très bon. Puis pour affiner la cuisse, là, tu vois, là, ils nous font monter comme ça sur le bout des pieds, là. Oui. Là, on descend tranquillement comme ça jusqu'à terre. Ah oui? Oui. 2-3 fois. Ah, oui, c'est bon pour ici. Puis ensuite, on tourne comme ça à droite, à gauche, là. C'est très bon pour la taille, ça affine la taille. Ah, oh, oui, pas, c'est ça doit être bien fantastique. Bon. Ah oui, extraordinaire. C'est pas comme j'en parle. Attends, je vais aller porter son biberon. Ah, oui, oui. Mais pas pour le ça, là, ils nous font marcher tapis roulant, là, une grosse minute. Ah oui? Ah oui, c'est des exercices, cardiovasculaires. C'est très bon pour le cœur. Ah, ça, c'est quand on veut faire de la course, là, tu sais, ça nous prépare. Bon, ben vas-y, parle-moi-en de ton centre, je t'écoute, je veux me mettre en forme. Moi aussi. Ah, là, je t'en rappellerai une autre fois, là, Nicole, là. Tu m'as mis à terre, tu m'as brûlé. Ici Martin Saint-Jean. Cette semaine, à Look International, nous recevons Mme Yolande Trudel de Beauharnois, qui a l'air d'une maudite folle. Mais pas pour longtemps, grâce à Look International. Regardez maintenant, Mme Trudel. C'est encore une épaisse, mais ça ne paraît plus. C'est ça, Look International! Maintenant que moi, Croc Parizeau, je suis chef du parti, nous allons faire la prochaine campagne électorale sur l'indépendance. Quoi? Oh! Jamais! Oh! Un détail. Nous allons également éliminer l'idée ridicule de l'affirmation nationale. Non, marche pas là-dedans. C'était inévitable. Bon, enfin, le parti est uni, la dissidence est éliminée, fini les querelles intestines. Seuls les vrais, les purs, comme moi, vont demeurer. Monsieur Parizeau? Oui? Charles Tremblay du ministère des Finances d'Ottawa. Ottawa? On aurait besoin d'un expert en économie comme vous. On voudrait vous offrir un contrat d'un an. Mais voyons, vous y pensez pas. Moi, travailler pour le fédéral. Voici les honoraires qu'on vous offre. Alors? Mon brave, vous savez évidemment quelle a été ma position lors du référendum. Et j'ai l'intention de rester fidèle à mes convictions. Par conséquent, ma réponse, c'est oui. La gagnante, Céline Dion. Quand je parle, c'est un vrai fiasco.
aimé cette année, là, moi, là, c'est les Gypsy Kings. Tu sais qu'eux autres, ils ont même influencé nos policiers, hein? Chole pas, Patrice, là. Non, non, je te dis. Le Parti libéral a décidé de lancer sa version à lui de Bamboléo. C'est John Turner qui chante entouré de Marc Lalonde, Jean Chrétien, puis le sénateur Rizzuto. Pauvre Turner! Moi, j'ai gagné le débat de la télévision. Mais mon petit grognachon. L'élection. Parce que t'as pas d'idée. Pas de bering, pas de bering, pas de bering, ring, pas de bering, pas de bering. Les libéraux, pendant quatre ans, je serai chef de l'opposition. Les libéraux, débarrasse le plancher, espèce de grand cornichon. Pour les prochaines élections. Les libéraux, tant pis pour toi, mais on va finir par avoir ta peau. Je suis encore le chef. Hey, on est chanceux à notre époque d'avoir plusieurs émissions d'information par jour. Hein? Comment ça, à notre époque? Les émissions d'information, mon petit garçon, ça fait des milliers d'années que ça dure. Des milliers d'années. Hmm? Bonsoir. Ici Marie-Claudia Lavalus. Et Charlus Tissérius. À Nazareth, ce soir, nous allons d'abord parler de cette autre manifestation qui a eu lieu dans notre ville aujourd'hui en faveur de l'édit 101. Oui, et depuis le jugement unanime du Sénat romain contre l'édit 101, on peut dire que ça ne dérougit pas. Notre reporter Normandus Lesterus est sur les lieux. Normandus? Oui, Maria-Claudia, eh bien la manifestation d'aujourd'hui était organisée par une société créée récemment par le nationaliste Jean-Baptiste. Cette société Jean-Baptiste veut préserver le visage hébreu de la ville et a dénoncé le nombre croissant d'affiches en latin, surtout dans le secteur ouest. Elle a aussi dénoncé ceux qui s'opposent à l'édit 101, comme le groupe Alliance Judée. La manifestation veut aussi protester contre la langue et la loi sur la langue présentée par le premier ministre Boubous Pilat, qui cette fois n'a pas pu s'en laver les mains. C'était Normandus Lesterus à Nazareth. Merci Normandus. Alors Charlus, si on parlait un peu de sport, j'ai bien hâte d'avoir des nouvelles de cette rencontre au Colisée entre une équipe d'esclaves de Cana et, bien sûr, les meneurs de la Ligue impériale, les Lions. Moi aussi, Marie-Claudia. Et pour savoir comment s'est déroulé ce match entre les Canaïens et les Lions, on va écouter notre analyste sur place, Marius Tremblus. Marius? Ah, mais t'as bien, mon Charlus. Moi, dis rien à faire, ça s'est passé vite, un petit Moïse de plâtre. Hein? Les Lions ont quasiment avalé les Canaïens tout rond. Moi, dis rien à faire, la foule en a eu pour ses sesterces. Un autre maudit beau goût pour les Lions et pour leur instructeur, le Tigre. Ah, c'est cocheux, c'est cocheux, c'est cocheux. Merci, Marius. Un coup d'œil à la météo, Martina? Eh bien, Marie-Claudia, Nazareth se remet difficilement de la première vraie tempête de sable de l'année. Les chars à bœufs continuent à dégager. On a même dû engager des esclaves en surtemps, car les esclaves bleus n'arrivaient pas à faire le travail à eux seuls. Marie-Claudia! Merci, Martina. Toujours aussi courageuse. Mm-hmm. On s'arrête pour une pause publicitaire. Qu'est-ce qui nettoie, qui désinfecte, contage, pot unique et redonne de l'éclat au plancher de votre atrium au lendemain d'une orgie? C'est la Parisienne, c'est la Parisienne. Pour mille et une raisons, ma légion remène à moi. C'est la Parisienne. Il y a une controverse dont on parle beaucoup en ce moment dans la province de Judée. C'est la question de savoir si on doit ouvrir les magasins le jour du sabbat. Et à Jérusalem, la discussion fait rage. Michel Abirolius s'est rendu sur place. Ce soir, à Actuelus, nous parlerons des commerçants qui, pour faciliter le magasinage le jour du sabbat,
ont installé leur boutique dans les promenades du temple de Jérusalem. Oui, papa, au grand marché, on a des stores romains, des draperies, des rideaux, des sanctuaires. Dehors, dehors. Sortez d'ici, vous profanez la maison de mon père. Non, c'est le magasin de mon papa. Oui, Stephen, puis j'ai des beaux bargains pour toi. Non, dehors, dehors. Approche, approche, mon beau grand, n'aie pas peur. Toi aussi, dehors. Tu veux pas essayer mes aphrodisiaques? J'ai des amourettes de dromadaires séchées au soleil du Sinaï, viens. Non, pas tant. J'ai des beaux livres aussi. Regarde. Orgie au Pussycatus? Non, non. Ou celui-ci alors, La dernière tentation. Regarde. Alors? Je pense que je vais attendre le film. À ne pas manquer donc mercredi, ce reportage à Actualus. Eh bien, ce soir, à l'émission Le Pointus, qu'est-ce que vous nous présentez, Madeleine Poulinus? Eh bien, Marie-Claudia, j'avais pensé interroger le premier magistrat de notre ville, Jean Dorus. Mais à cause de la controverse soulevée par la démolition de l'auberge Quinsus, j'ai eu peur de l'offusquer par mes questions, de le vexer, de lui faire de la peine. Alors j'ai préféré annuler. En conséquence, je n'ai pas d'invité ce soir. Pensez-vous que j'ai bien fait? Oui, Madeleine, oui. Demain, nous aurons un reportage culturel de Paul Toutanus sur Roméo Pérus à l'autobus du Showbusiness. Mais de toute façon, ne manquez pas le téléjournal ce soir avec Bernard. De Jérusalem? Mais non, de Rome. Savez-vous qui est-ce qui est là? Non. Daniel Lavoie. Oh, il va te chanter. Ben, il aimerait ça, mais ça le gêne un peu. Non. Je pognais dans un bloc, voir le public, ça m'intimide, ça me fige et ça me bloque. Je me sens idiot, je m'accroche partout. Chanterai jamais à New York. J'ai déjà des problèmes à Drummondville. Imaginez à New York. Pourquoi je suis maladroit? Chaque fois que je vois la foule devant moi. Ah, un jour que je débloque, je suis trop stressé devant le monde, ça m'attire des badlocks. Moi, les Félix, je les donne pas, je les échappe. Qu'est-ce que ce serait à New York? Hey, tu connais la devise du réseau de télévision 4 saisons, hein? On grandit ensemble. Ah non, tu veux dire on ratisse ensemble. Hey, as-tu vu l'émission de France Castel où elle reçoit ses invités pour parler de sensualité? Oh, ben moi, cette émission-là... Mais je regarde ça, moi. Bonsoir. C'est moi. France Castel. Devant l'accueil favorable que mon émission a suscité... suscité... C'est bien parti, hein? Eh bien, ce soir, j'ai décidé d'innover. Mon premier invité, je vais le recevoir... au lit.
On va pouvoir changer le titre de l'émission et appeler ça « En dessous de la couverte ». De toute façon, c'est en bas de la ceinture. Et mon premier invité au lit, c'est le politicien le plus sensuel, le plus attirant, le plus sexy du Québec, Monsieur Claude Ryan. Bonsoir, Monsieur Ryan. Bon, Madame Castel, je tiens à faire une mise au point de suite avant de commencer. C'est uniquement pour répandre la doctrine de l'éducation que je me prête à cette interview. Mais j'aimerais que ce soit très clair entre nous. Oui, 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 Monsieur Ryan. Relaxez, détendez-vous. Oh là là. Je sens une main qui est en train de me masser la jambe et ça m'étonnerait beaucoup que ce soit la main de Dieu. Je peux vous appeler Claude? Mais j'aime autant pas. Les gens pourraient jaser. Et que j'aurais donc dû aller à l'émission Le Point à la place. Le Point? Faites attention. Si vous continuez comme ça, vous allez vous retrouver avec le poignet. C'est drôle, mais celle-là, je ne la comprends guère. Monsieur Ryan, en tant que ministre de l'Éducation, vous êtes considéré plutôt comme conservateur. L'éducation sexuelle, c'est quoi pour vous? Ben écoutez, je ne suis pas si conservateur que ça, puis je pense qu'il ne faut pas gêner aujourd'hui et appeler les choses par leur nom. Je viens d'ailleurs de commander pour toutes les écoles du Québec des vidéoclips où l'on montrerait des parties sexuelles et même de véritables échanges sexuels entre des partenaires qui se dérouleront sans vergogne sous les yeux des étudiants. Pour vrai, M. Ryan? J'en ai visionné un tantôt, Mme Castel. On peut voir très nettement et sans aucune censure le pistil d'une fleur qui féconde une autre fleur. Ah, c'est d'un érotisme foudroyant. Oh, c'est merveilleux. Mais toujours dans la même veine. C'est quoi pour vous le plus grand défi des étudiants des cégeps? Je dirais que c'est d'attraper un DEC sans attraper de MTS. Les MTS, quel fléau! Il faudrait presque construire un centre de recherche sur les MTS. Mais écoutez, on va en construire, hein? Et je puis vous annoncer que je viens personnellement d'en approuver l'érection. Oh là là! Vous êtes puissant. Mettez-en. Alors, pour vous, la vie sexuelle, c'est important? Ben écoutez, je mène une vie extrêmement stressante. Des problèmes, des responsabilités, j'en prends. Alors, au bout de la semaine, je vais être franc avec vous, ça fait du bien de se vider la canisse. Bien d'accord. Alors, on va maintenant faire parader devant vous des mannequins avec des dessous de couleurs différentes. Vous allez nous dire vos préférences. Oh là là! Mais j'aime pas le noir. Non, moi, pas du tout. Ça fait mortuaire, vous trouvez pas? Peut-être. Oh, et le blanc, alors? Ça, c'est mieux. Hein? Il y a un petit côté première communion, là, que je déteste pas. Oh, non! Et le rouse! Oh, ça, c'est ma meilleure. Quelle belle couleur! Ah, puis tiens, je pense que je vais engager cette jeune personne pour faire la propagande du Parti libéral. Avec ce qu'elle porte, je suis sûr que... qu'elle va nous attirer beaucoup de... de nouveaux membres. Bonsoir. Nous recevons ce soir M. Clifford Lincoln, ministre de l'Environnement. Bonsoir, M. Lincoln. Bonsoir, M. Mongouin. M. Lincoln,
Vous venez de chasser les citoyens de Saint-Basile de leur foyer. Vous avez ordonné, en somme, la déportation des Basiliens. Est-ce que ce grand dérangement va durer encore longtemps? Je ne crois pas, M. Mauguin. On a commencé à faire les tests et les résultats devraient être connus dans 2 jours ou plus tard. Mais se peut-il que les résultats ne soient pas connus dans 2 jours? Je ne crois pas, M. Mauguin. On a commencé à faire les tests et les résultats devraient être connus dans 2 jours ou plus tard. Posez ma question autrement. Monsieur Lincoln, se peut-il que les résultats de ces tests ne soient pas concluants? Je ne crois pas, M. Mauguin. On a commencé à faire des tests et les résultats doivent être connus dans 2 jours plus tard. Monsieur Lincoln, il y a des rumeurs à l'effet que cet incendie de BPC aurait provoqué des effets bizarres chez ceux qui ont été contaminés. On parle même de désordre au niveau de la sexualité. Je ne crois pas, M. Mauguin. On a commencé à faire des tests. Laissez-moi finir ma question, M. Lincoln. Pardon, M. Mauguin. Merci. On parlait donc de perturbations au niveau de la sexualité. Vous-même avez été amené à plusieurs reprises à aller à Saint-Basile. Est-ce que vous ne sentez pas chez vous quelque effet étrange, M. Lincoln? Non, M. Mauguin, je me sens en pleine forme et je crois sincèrement que j'ai... M. Mauguin, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous aviez de beaux yeux? Dimanche soir, 11h20. Michel n'a pas encore terminé son vin. Ce n'est pas que Michel ne se sent pas bien. C'est qu'il vient de gagner 2 trophées métro. Deux trophées métro, ça surprend en chien. Surtout quand on chante même pas bien. Bonne année, Charles.
Bonne année, Marie-Claudia. Bonne année, Normand. Bonne année. Excusez-moi, bonne année. Je vous en souhaite une bonne. Oui, bonne année. Bonne année. Bonne année. Non, it's cute. Bonne année. Bonne année. Aïe, aïe. Bonne année. Bonne année.